Je vous présente vite fait qui je suis. Donc, je suis coordinateur du réseau des promeneurs du net. Donc, c'est un réseau national. Les promeneurs du net sont des professionnels de la jeunesse qui utilisent les réseaux sociaux pour être en contact avec le public jeune. Donc, ça va être des animateurs, des éducateurs, voilà, qui en fait intègrent les réseaux sociaux qui sont les outils de leur public dans leur pratique professionnelle. Donc, moi, je les accompagne, on les forme aux usages des réseaux sociaux, aux usages numériques. Voilà. Alors, la collecte des données. On va parler de la collecte des données et surtout parler des deux types de collecte. En fait, il y a la collecte directe et même involontaire, ce que l'on va donner de soi-même comme info. Et puis, il y a toutes les données qui vont être collectées de façon indirecte et utilisées, revendues. Et on va voir que ça a pris quand même une ampleur assez énorme et qu'il y a vraiment, comme je dis dans le titre, une prise de conscience nécessaire. Et on va essayer, je vais essayer de vous apporter quand même des pistes de réflexion sur comment réduire cet impact. Donc, la collecte avec consentement. Là, j'ai trois exemples. Je souhaite acheter un objet en ligne, j'utilise un profil de réseau social, je recherche un emploi. Je souhaite acheter un objet en ligne, donc j'ai besoin de quoi? D'une adresse mail, de créer un compte, donner mon adresse postale, donner mes informations bancaires. J'utilise un profil de réseau social, donc là je vais pouvoir donner ma photo, mon nom, ma localisation. En créant mon réseau social, je vais aussi donner les informations qui sont je suis ami avec telle personne, je fais partie de telle famille, par exemple. Je recherche un emploi, qu'est-ce que je vais avoir comme information complémentaire? Bien, ça va être je partage mon cursus scolaire, je donne mon expérience professionnelle, donc j'ai déjà une quantité d'infos assez importante que je vais transmettre. Le type de données que l'on va donner, que l'on va fournir à des services, à des applications, à des sites, de façon consentie, il est assez important. Voilà le type d'infos que l'on va donner régulièrement. Donc, par rapport aux exemples que j'ai donnés, en fait, il y a beaucoup plus d'infos que l'on va donner. Donc là, par exemple, le nom d'utilisateur, mon nom véritable, mon genre, mes amis, les groupes, les contacts bloqués, les pétitions que je vais signer, par exemple, sur Facebook, en ligne, les sons enregistrés, les messages privés, les événements auxquels je participe ou auxquels je ne participe pas, les invitations que j'accepte ou que je refuse, mes alias, si j'utilise mon téléphone, une empreinte digitale, les mots de passe, identifiant, voilà. On voit déjà que là, déjà à cette première étape, entre ce que l'on va imaginer de ce que l'on transmet comme information et ce qui est déjà collecté avec consentement, on a déjà une bonne différence. Quand on voit que, par exemple, les émojis utilisés sont analysés, on ne se dit pas forcément quand on écrit un message et qu'on met un émoji bien particulier dans son message pour faire passer une émotion, que ça va être aussi collecté et analysé, quoi. En termes aussi de consentement, on a les autorisations sur les applications. On télécharge tous des applications sur téléphone. Alors, ça a beaucoup évolué parce qu'au début, on installait une application et puis voilà, on installait. L'application avait besoin de plus ou moins d'autorisation d'accès sur notre téléphone et on n'était pas forcément informé de l'usage qui était fait par l'application. On avait même des cas assez assez délirant d'applications style calculatrice ou boussole et qui demandait accès au contact, à la caméra, enfin voilà. Et vraiment beaucoup trop de... L'application avait accès à beaucoup trop de choses. Donc maintenant, quand on installe une application, on est informé. On est informé de type d'autorisation demandée et théoriquement, on peut aussi, une fois l'application installée, revenir sur cette autorisation et dire, ben non, finalement, je ne veux plus qu'elle ait accès à mon micro ou au stockage, au contact. Alors après, ça risque aussi quand même de bloquer l'utilisation de l'application, mais ça risque de bloquer certaines fonctionnalités, mais en tout cas, c'est possible.
Il y a eu quand même une volonté de rendre ces autorisations un peu plus visibles. Donc, on a vu la collecte avec consentement. Donc ça, je donne déjà de moi-même une certaine quantité d'infos. Mais il y a aussi toute une grande quantité d'infos qui va être collectée et qu'on appelle le tracking. Voilà. Le tracking, c'est observer, analyser les comportements d'un utilisateur d'Internet à des fins marketing et commerciales. Donc ça peut être le comportement d'un visiteur sur un site web ou au sein d'une application mobile. On l'a vu, là, c'est par cet exemple précédent avec une application de jeu où on peut savoir à quel moment les joueurs quittent l'application, cliquent sur tel bouton. Le comportement global de navigation pour en tirer un profil, donc savoir suivant la navigation, suivant le type de navigation de la personne sur un site, par exemple, ou sur un réseau social, déterminer qui est en face, quoi. Voilà, plus clairement. L'exposition et les réactions aux publicités, les réactions et les actions consécutives à la réception d'un mail. Et donc, le tracking peut s'effectuer en temps réel ou a posteriori. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce tracking-là, il n'est pas récent. C'est pas quelque chose qui est arrivé ces dernières années avec l'explosion des outils numériques. Par exemple, alors on remonte vraiment en arrière, mais Ray Tomlinson qui crée le premier email en 1971, alors c'est vraiment réservé à un public vraiment très restreint, mais l'idée pour lui c'est bien de communiquer entre deux ordinateurs et de cibler une personne en particulier, de dire je veux envoyer un message à telle personne. Donc l'email qu'on utilise toujours. Hein. Eh bien, déjà, cet usage-là, il est rapidement détourné en disant, mais tiens, ça peut être intéressant. À partir du moment où je vais pouvoir cibler des gens, je vais pouvoir écrire à quelqu'un en particulier, ben, je vais peut-être pouvoir lui faire passer autre chose qu'un message d'information, quoi. Et donc, il y a Gary Twerk, en 78, qui écrit un mail tout en majuscule pour faire de la publicité, en fait, pour un modèle d'ordinateur, et il l'envoie à 300-400 personnes. Voilà. Donc ça, c'est la naissance du spam que l'on subit encore aujourd'hui. Mais bien l'idée, c'était de se dire, si j'ai une nouvelle technologie qui me permet d'atteindre directement des gens, eh bien, je vais faire passer un message commercial. Voilà. Ensuite, fin années 90, là, on commence à avoir l'Internet qui commence à être à se répandre un peu dans le public, même si ça reste encore plutôt confidentiel en France. Mais voilà, on a vraiment les premiers sites Internet et ces sites Internet-là, mais en fait, ils coûtent cher à héberger, à créer. Encore, c'est une technologie qui est encore chère. Donc, l'idée pour beaucoup, c'est de vendre de la pub sur les sites Internet, quoi. Donc, les premières bannières, voilà, par exemple, la première bannière publicitaire, c'était en 1994 sur un site qui s'appelle Hotwired. Et elle coûtait 30 000 euros pour 3 mois et 44% de gens ont cliqué dessus. Et déjà à cette époque-là, on va se dire, bon, ok, c'est bien, on vend de la pub sur le site, mais on aimerait bien savoir qui clique. Et donc, il y a des sociétés comme DoubleClick qui va permettre, en fait, de suivre les gens et de dire, ben voilà, vos utilisateurs, les gens qui viennent sur votre site, ils ont cliqué sur cette pub et ça les a amenés vers une autre page ou vers une autre pub. Et après, ils ont cliqué, voilà. Commencer vraiment le tracking, le suivi des utilisateurs. Les moteurs de recherche aussi. Comme on a de plus en plus de sites Internet, il y a besoin de pouvoir lister tous ces sites Internet. On a besoin de moteurs de recherche. Ces moteurs de recherche également vont faire apparaître de la pub. Et vont aussi analyser ce qui est recherché par les utilisateurs à des fins d'analyse. Et à des fins d'analyse qui vont vous permettre d'afficher des meilleurs résultats, bien sûr, mais aussi vous pouvoir vous afficher de la pub qui sera ciblée, quoi.
Alors ça, c'est possible par une technologie très simple qui s'appelle le cookie, qui a été inventé par ce charmant jeune homme. Voilà, en 1994. Donc on voit très bien que c'est pas du tout, c'est pas du tout récent, quoi. Donc c'est un petit fichier texte. Voilà. En fait, quand vous allez sur votre sur un site internet, quand vous connectez pour voir une page de notre site internet, vous connectez un serveur qui vous renvoie les informations et la page s'affiche sur votre ordinateur. Et avec les informations de la page, le texte, les images, la mise en page, il y a aussi un petit fichier texte qui va s'installer dans votre ordinateur. Donc ce petit fichier texte, il permet de conserver des données utilisateurs afin de faciliter la navigation et de permettre certaines fonctionnalités. Donc là, typiquement, je me connecte sur un site, il va me reconnaître. Je suis pas sur un site de vente, il va savoir que c'est moi parce qu'en fait, je suis déjà venu, je me suis déjà identifié, il a déjà mis un cookie. Donc, j'ai pas besoin à chaque fois que je reviens de me réidentifier pour mettre mon mot de passe, mon adresse mail. Voilà, il me reconnaît. Les sites de banque aussi, voilà, clairement, ont besoin aussi de pouvoir dire, ben, je peux identifier clairement la personne qui est en face. Voilà, c'est une des fonctionnalités, mais c'est vraiment un des outils très basiques pour identifier quelqu'un. Sauf que ce petit fichier texte, en fait, il va contenir des informations. Et ces informations, elles vont pouvoir être utilisées pour vous suivre à travers votre cheminement sur le site, mais aussi entre sites, et aussi pour être exploitées pour dire, bah, tiens, telle personne, elle était ici, là, elle a telle navigation, et elle a cliqué sur telle pub, et voilà, et, en fait, pour déterminer un profil. Et là, j'ai mis utilisation de pair avec publicité ou pixel espion. Donc là, c'est des technologies aussi, c'est-à-dire que vous avez dans votre page un pixel, en fait, qui va vous permettre de vous identifier. Pareil, c'est un petit pixel qui va s'afficher sur votre ordinateur, sur votre écran, dans votre page de site web, et qui va vous permettre de vous identifier. Vous ne le voyez pas, il est caché dans la page, bien sûr, mais voilà, il va vous permettre de vous identifier. Donc là, les cookies, bah, c'est typiquement ce que vous devez accepter maintenant avec le RGPD. Enfin, en tout cas, vous êtes averti quand vous allez sur les sites, on vous demande d'accepter les cookies, ou vous ne savez pas forcément voilà, ce que ça implique derrière, mais voilà, avec le RGPD, il y a une obligation d'information qui fait que maintenant, on vous informe qu'on dépose, je vais sur un site et qu'on va déposer les cookies sur mon ordinateur. Alors, est-ce que c'est un cookie, deux cookies, trois cookies? Si je vais dans le bandeau en général et que je regarde dans les paramètres, je peux avoir déjà une idée de ce qui va être déposé. On le fait rarement, hein, c'est assez pénible d'avoir tous ces bandeaux. Mais je vais vous faire une petite démonstration de ce qui peut être déposé sur un ordinateur, rien qu'en termes de cookies. Alors, il y a un outil qui est assez intéressant, qui s'appelle Lightbeam, qui fonctionne sous le navigateur Firefox. La CNIL a créé un outil similaire avec CookieViz. Donc, si vous voyez ici, donc j'ai deux onglets. Ici, je suis sur un moteur de recherche qui s'appelle DuckDuckGo, un moteur de recherche qui respecte quand même plutôt bien la vie privée, qui ne me traque pas, qui ne va pas revendre mes données. Et ici, grâce à l'outil Lightbeam, je vais pouvoir le visualiser. Voilà, ici. Donc, je vois qu'il est tout seul. Je vais ouvrir un site internet. Je vais ouvrir le site internet, par exemple, du Courrier International. Alors, pour la démonstration, je suis sur donc un navigateur qui n'a aucune sécurité, qui est au minimum de la sécurité, qui laisse tout passer. Donc, on va avoir des pubs, on va avoir des cookies qui vont s'installer. Et donc, si je retourne sur l'application Lightbeam, voilà. Donc là, vous voyez le site au milieu du Courrier International. Et je vois en fait tous les cookies, tous les trackers qui vont être déposés alors que j'ai juste ouvert cette page. Donc en gros, j'ai visité deux sites. Bon, DuckDuckGo ne compte pas hein, parce que voilà, il est juste à part. Mais voilà, Courrier International, j'ai déjà 76 trackers. C'est-à-dire qu'en fait, ma navigation, mon arrivée sur le site est déjà collectée et donnée à 76 participants, quoi. Enfin, 76 sociétés externes, quoi. Voilà.
Donc, si je vais un petit peu plus loin et que je rajoute, alors j'ai là concrètement pour l'exemple, j'ai pris des sites d'infos. Parce qu'en fait, le modèle économique de la presse est assez compliqué en ce moment et pour vivre, ils mettent de la pub mettre de la pub sur un site, c'est aussi revendre les données. C'est pas juste afficher de la pub, quoi. Donc, on va ouvrir plusieurs autres sites. Donc là, j'ai pris par exemple Libération, j'ai pris Le Figaro, L'Équipe, j'ai mis aussi Vice, j'ai mis lemonde.fr. On va laisser se charger tranquillement et on va le retourner. Voilà, on va accepter. On va tout accepter et on va retourner sur Lightbeam et on va voir ce qui se passe. Donc en fait, là, on voit, c'est un petit peu de difficulté à se charger, mais en fait, on voit que ils ont tous les trackers, normalement, ça devrait continuer à arriver parce que les pages se chargent. Mais l'idée, c'est bien de montrer que, bien, en fait, si j'ai des choses qui sont en commun, voilà. Donc si je tire dessus, je vois par exemple ce tracker-là, Google Analytics, dont parlait la personne juste avant. Voilà, la plupart de ces sites ont Google Analytics installé dessus, quoi. Donc, c'est pas compliqué de savoir que je suis allé sur Pôle International, puis sur Le Monde, puis sur L'Équipe, voilà. Et les fournisseurs aussi de pubs ici, il saura, il va. Comme il est commun à Libération et à Courrier International, en fait, il va savoir que je suis allé sur les deux. Et donc, si je continue de cliquer sur les articles et que je clique sur les pubs et que je continue ma navigation, eh bien, vous imaginez sur une journée entière, en fait, on peut déterminer que vous avez fait vraiment tel parcours, que vous avez lu tel article, cliqué sur telle vidéo, enfin voilà. Donc là, on a 6 sites et on voit que ma navigation, enfin ce que je viens de faire, est 151 acteurs tiers en fait, sont informés de ce que je viens de faire. Donc vous imaginez ça par jour et sur une année, la quantité d'informations, si vous naviguez régulièrement, la quantité d'informations que vous pouvez donner, voilà, très simplement, juste avec la technologie des cookies. Mais si avec les cookies, ça serait bien. Parce que les cookies, maintenant, on peut les bloquer. Voilà, il y a des navigateurs qui permettent de bloquer ça, mais voilà, si c'était juste ça. En termes de technologie pour vous identifier, il y a aussi le Canvas Fingerprinting. Donc là, c'est en fait une empreinte digitale, c'est-à-dire que quand vous allez charger un site, alors là on ne la voit pas, hein, mais quand j'ai chargé par exemple la page du monde.fr, eh bien de façon invisible, il y a un schéma, quelque chose qui s'est chargé et qui va être unique à mon navigateur. Et en fait, ça va être comme une empreinte digitale de mon navigateur. Donc ça, cookie plus l'empreinte digitale, voilà. Le cross-device tracking, donc ça, c'est le suivi inter-appareil. C'est une technologie qui permet de suivre les utilisateurs sur plusieurs appareils, tels que smartphone, le téléviseur, les téléviseurs intelligents, les ordinateurs personnels, les objets connectés. C'est encore plus vrai maintenant, puisque je peux très bien commencer ma navigation sur mon ordinateur, puis je continue sur mon téléphone et je reviens à mon ordinateur. Je suis connecté via la même box, mais via le même réseau Internet, et en fait, c'est facile de savoir que c'est moi. Voilà. Donc tout ça, en fait, alimente mon suivi. Et en plus, avec le cross-device tracking, les appareils vont dialoguer entre eux. On le voit ici, en fait, les appareils peuvent dialoguer aussi sous forme d'ultrasons. C'est-à-dire que je suis, par exemple, devant ma télé connectée et j'utilise mon smartphone, je suis sur Facebook et en fait, et à côté de moi, il y a ma Google Home qui me sert à écouter de la musique. En fait, ces trois appareils vont communiquer entre eux et vont s'échanger des informations.
Donc, la Google Home peut collecter des informations de mon téléphone et la télé, voilà. Ces trois appareils qui sont connectés à Internet vont collecter des informations et vont dialoguer entre eux. Donc, on rajoute des informations supplémentaires qui sont collectées tous les jours, en fait, sur moi, sur mon activité. Aussi, une chose très basique, mais c'est le Wi-Fi et le Bluetooth. Clairement, quand j'ai mon téléphone dans la poche et que je vais me promener et que je passe dans une galerie marchande, la plupart des boutiques sont équipées de box Wi-Fi déjà et souvent de bornes Bluetooth. Et à chaque fois, mon téléphone, lui, parce que par défaut, j'ai laissé le Wi-Fi et le Bluetooth activé, voilà, très souvent, eh bien, en fait, il va chercher à se connecter à ses bornes Wi-Fi, à ses bornes Bluetooth. Et à chaque fois, cette tentative de connexion va laisser une trace de mon passage. Donc ça, c'est très utilisé dans les magasins, en fait, pour savoir comment les gens se déplacent dans un magasin, combien de temps ils restent devant telle vitrine, quels achats ils peuvent faire, dans quel ordre. Des grandes surfaces comme Auchan, par exemple, le font, ça, en fait, pour savoir, les gens, ils rentrent du côté de l'IFI, il reste 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Ça permet d'avoir des statistiques très simplement, quoi. Et moi, je me souviens d'avoir rencontré une société qui faisait de la visioconférence, mais qui faisait aussi de ce type de technologie. Et clairement, ils disaient, mais de toute façon, les gens sont bêtes. En fait, ils laissent leur Bluetooth et leur Wi-Fi activés. Oui. Oui, les gens sont bêtes, mais non. C'est plutôt qu'on ne les informe pas. On ne les informe pas que, oui, c'est pratique de laisser ces fonctionnalités activées, mais en fait, ça participe d'un suivi à notre insu, d'une collecte indirecte des données personnelles. Donc, les objets connectés, là, Inès en a parlé aussi. En plus, avec l'arrivée de la 5G qui va faire et vraiment exploser l'utilisation des objets connectés, se pose quand même la question d'avoir un outil de plus qui va collecter des données. Alexa, Google Home, Portal, Ring, voilà tout ça. Les téléconnectés, là on a l'exemple, une téléconnectée, théoriquement, elle peut savoir ce que je regarde comme programme. Là, on a, par exemple, Game of Thrones, elle est en capacité de détecter l'épisode et de renvoyer ses infos en disant « tel utilisateur regarde tel épisode ». Tel utilisateur a la PS4 ou la PS5 branchée sur la télé. Tel utilisateur joue à tel jeu sur sa console. Voilà. Donc, toutes ces données voilà, vont être collectées aussi tous les jours. Donc, se poser la question, est-ce que je dois bien connecter ma télé déjà? Est-ce que c'est oui, c'est pratique d'avoir les applications Netflix, voilà directement dans la télé, mais est-ce que j'ouvre pas aussi la porte à une collecte supplémentaire? Pareil pour les objets connectés que je vais ajouter dans ma maison parce que c'est pratique. Est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que c'est bien nécessaire avec certaines dérives aussi qui peuvent arriver comme l'exemple avec Ring. Donc Ring, c'est une sonnette connectée, mais c'est aussi des boîtiers que l'on peut mettre avec une caméra que l'on peut mettre dans sa maison. Et avec il y avait eu un souci récemment aux États-Unis où cet outil est utilisé dans les chambres d'enfants et dans mes chambres de petites filles aussi. Voilà où donc cette caméra était pratique pour surveiller ses enfants à distance en se disant, ben voilà, je suis au travail, mes enfants sont à la maison, je suis rassuré, je peux les surveiller. Sauf que défaut de sécurisation de ces outils-là, en fait, il y a des petits malins qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient casser le mot de passe relativement facilement et accéder à des chambres d'enfants, voilà, et se partager les vidéos de ces chambres d'enfants, ou même carrément pouvaient s'adresser aux enfants via l'outil, quoi. Voilà. Donc toujours essayer de se poser la question. Voilà, il y a le côté voilà très attirant dans ces outils de nouveautés, de se dire ah, c'est pratique, ça me
ça m'offre plein de fonctionnalités qui sont très pratiques, mais il y a toujours le pendant qui est que, ben, en fait, ce sont des outils et surtout des sociétés qui collectent des données. Voilà. On a aussi dans l'espace public des choses qui sont en train d'arriver de plus en plus, ça va être les panneaux publicitaires connectés. Donc le panneau publicitaire, je passe devant et en fait il va enregistrer mon passage parce que j'ai mon téléphone dans la poche. Il peut être équipé d'une caméra aussi, il peut dire bah, tiens, en face de moi, là j'ai un homme, une femme, un enfant, à peu près tel âge, telle taille, tel poids. Et donc ça c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a un outil de plus qui va nous suivre et qui va collecter des données sur nous. Et de façon indirecte, c'est-à-dire que si on n'informe pas les gens que ce panneau-là dans le métro collecte des données sur eux, personne ne se posera la question, quoi. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que donc il y a les données que je vais donner avec consentement, les données qui vont être collectées sur moi. Il faut aussi se rendre compte qu'on donne énormément de choses et on nourrit aussi énormément ces outils-là de nos données. Quand on voit les réseaux sociaux, là, clairement, tous les jours, par nos usages, par le contenu que l'on va consommer, par le contenu que l'on va poster nous-mêmes, par nos likes, nos j'aime, nos photos, en fait, on alimente aussi ce système-là. Ces gros réseaux sociaux génèrent énormément d'argent parce qu'en fait ils se servent aussi de tout ce que l'on va produire, quoi. Et tout ce que l'on va produire va provoquer un ciblage encore plus précis, des tendances, des spots sponsorisés, des placements de produits, des pubs avant vidéo sur YouTube. Donc en fait notre utilisation elle nourrit en fait ce suivi. Par notre utilisation, on valide ce système-là, ce principe de voilà, j'utilise et vous pouvez faire tout ce que vous voulez de nos données. Donc, il faut aussi se poser la question de voilà, est-ce que c'est bien le modèle, que l'on veut voir voilà perdurer. Est-ce que c'est vraiment parce que on en est à un niveau de suivi qui est assez énorme. J'ai mon téléphone, je suis suivi dans la rue, je suis suivi dans les boutiques, je suis suivi chez moi par mon objet connecté, par ma télé, je vais sur un réseau social, je suis encore suivi, je fais une recherche sur un moteur de recherche, je suis suivi. Ben, voilà, on arrivait à un point où c'est compliqué de ne pas être suivi en utilisant des outils numériques. Donc, quels sont les résultats de ce traçage en ligne? Donc là, on a vu qu'on avait déjà, des données qui étaient collectées. Mais en fait, aux données que je vais consentir à donner, vont s'ajouter encore d'autres données. Donc les fidélités, les publicités vues, je ne vous fais pas toute la liste, mais c'est énorme, le contenu consommé, les historiques d'achat, la vitesse de frappe, ma position de l'appareil, la distance par rapport à d'autres appareils, la reconnaissance faciale vocale, les crédits que j'utilise dans les jeux, la monnaie utilisée pour mes achats, le type de navigateur, la force du signal, de mon signal de connexion Wi-Fi ou au réseau, l'historique des SMS, l'historique des appels, si j'utilise des VPN, la quantité de données que je vais échanger, le temps de transfert, voilà. Énormément d'infos que je vais donner tous les jours. Voilà. Par mon utilisation. Alors, que peuvent-ils donc bien faire de toutes ces données? Parce que cette collecte-là, elle ne se fait pas juste pour, à des fins, comme on a vu pour le jeu vidéo, à des fins d'analyse, en se disant « je vais pouvoir améliorer mon service ». Oui, ça en fait partie, mais pas que. Et il l'a bien dit qu'il y avait quand même une différence entre le jeu vidéo et les acteurs, ce qu'on peut appeler les GAFAM, dans la collecte et la revente des données. Donc la vente des données issues de la collecte directe et indirecte, puisque en fait, ces services-là qui sont majoritairement gratuits, les Facebook, les Google, ils génèrent, vous voyez, les chiffres 2019-2020, 162 milliards pour Google, 70 milliards pour Facebook. Cet argent-là, il est généré parce que, en fait, ils vous mettent à disposition un service et que vous allez nourrir de toutes vos données.
de toutes vos données, et ces données-là, ils vont les revendre. Alors, ils vont les revendre parce que ça va permettre de proposer, comme on voit, des publicités, du contenu ciblé. Comme ça, vous allez, ça permet de bien déterminer qui est en face et quelle zone géographique je vais devoir cibler. Quand on prend de la publicité sur Facebook, par exemple, on crée une publication et on détermine l'âge, on détermine, et on peut avoir une vision très fine du public que l'on va viser et à tel endroit. Et voilà, en fait, ils ont tellement de données à disposition qu'ils peuvent avoir une analyse très fine de la population qui utilise leurs outils, quoi. Avec le risque, là, la bulle de filtre, par exemple, moi, donc je navigue, je fais des recherches sur Google, et donc il a une vision de plus en plus fine de mes centres d'intérêt, de ce que je vais rechercher, donc il va me proposer du contenu qui me correspond le plus. Et en me proposant du contenu qui me correspond le plus, on a le problème de la bulle de filtre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va toujours me faire plaisir, il va toujours me donner du contenu qui me correspond. On le voit par exemple sur Twitter, à partir du moment où je vais commencer à suivre des comptes sur Twitter qui vont dans mon sens, hein, voilà, qui m'intéressent, et bien au bout d'un moment, j'ai l'impression d'être toujours un peu dans le même type de contenu. Il faut vraiment, il faut des fois aller dans les hashtags pour voir quelles peuvent être les discussions autres sur d'autres thématiques, parce que sinon, en fait, il va me servir toujours ce que j'ai envie de voir. Avec bien sûr le but affiché, c'est de rester clairement sur l'outil, de rester sur le réseau social, de consommer du réseau pour donner encore plus d'informations pour qu'il y ait une collecte et qu'il continue l'aventure. Là, c'est sans fin, ça. Prédire les tendances futures et les motifs de comportement, l'analyse prédictive, donc ça c'est très important. À partir du moment où vous avez des données sur, par exemple, comme Facebook, quand vous avez des données sur plus de 2 milliards d'utilisateurs, vous pouvez forcément prédire les tendances futures en termes d'achat, de goût culturel. Enfin, c'est énorme. C'est une mine d'or, c'est une véritable mine d'or. Être présent dans tous les aspects de la vie des utilisateurs, les relations famille, loisirs, santé, ces gros groupes-là, alors là, je vais parler vraiment des GAFAM, mais leur ambition aussi, c'est d'être présent dans tous les aspects de la vie. C'est-à-dire pouvoir faire de l'assurance, pouvoir faire de la banque, Amazon, voilà, tous ces groupes-là, leur idée, c'est d'être, je me lève Amazon, je mange Amazon, je consomme Amazon des produits culturels, je vais rouler Amazon, voilà. En fait, toute ma journée est calée sur ces outils-là. Je reste dans le cadre défini par Amazon et j'alimente toujours cette machine-là. Voilà. Et quand ça va malheureusement beaucoup plus loin, c'est le suivi et la surveillance des populations. Et on voit l'exemple parfait en Chine avec un suivi des populations qui fait que si vous êtes... on collecte des données alors là, largement sur vous. Il y a de la reconnaissance faciale à peu près dans tous les endroits. Et en fait, à partir du moment où vous allez être critique par rapport au gouvernement ou alors que vous allez avoir un comportement qui ne correspond pas à la norme, en fait, on va, grâce aux outils numériques, on va vous permettre de vous pister et aussi de vous empêcher d'accéder à certains services. On le voit, ça peut être je peux plus acheter de titre de transport, je peux pas accéder à un logement, on va réduire vos libertés. De toute façon, comme vous êtes suivi tout au long de la journée, en fait on sait où vous êtes, on sait ce que vous faites, donc c'est du pain béni pour un gouvernement qui a envie de suivre en fait sa population, quoi. Alors, comment est-ce que je peux réduire la collecte des données? Donc, je dis bien réduire parce que c'est vraiment compliqué maintenant dans le monde actuel et dans l'utilisation quotidienne que l'on a des outils numériques, ça va être très compliqué de s'en passer. Qu'il n'y ait plus du tout de collecte de données. Ça voudrait dire qu'il faudrait vraiment que je n'utilise aucun outil et que personne... une personne tierce ne mette d'infos sur moi sur Internet.
ce serait compliqué, quoi. Comment est-ce que je peux réduire la collecte des données? Ben déjà, je peux faire le tri. Se poser la question déjà, être informé, se poser la question, je pense que c'est assez nécessaire. Est-ce que je suis bien obligé de m'inscrire sur toute une quantité de sites? Quantité de sites pour faire la vente, des jeux en ligne, voilà. Est-ce que je suis bien obligé de faire tout ça? Le nombre d'applications téléchargées, est-ce que je suis bien obligé d'avoir 100, 200 applis sur mon téléphone dont je n'utilise pas les trois quarts? Parce qu'une fois qu'elles sont installées, elles vont continuer de pomper, de siphonner des infos sur moi. Le nombre de réseaux sociaux utilisés, est-ce que j'ai bien besoin d'être sur tous ces réseaux-là, surtout si j'utilise très, très peu. Est-ce que je suis bien obligé de répondre à des concours, des sondages? Est-ce que je suis bien obligé, abonnement à des services? Se poser la question, parfois on a tendance à se dire, bah, tiens, c'est facile, je m'inscris là, hop, tac, tac. Et c'est bien aussi de faire le tri, quoi. Quelques exemples aussi pour essayer de réduire l'impact. Déjà, utiliser peut-être un autre navigateur, qui va me permettre d'aller sur Internet, qui va déjà bloquer des choses, qui va bloquer les cookies, qui va bloquer du traçage. Donc, on a par exemple Firefox ici, que vous pouvez installer. On a Brave, qui est basé sur Chrome, donc qui est très similaire à Chrome, mais sans le traçage et avec un bloqueur de pub. Vous pouvez installer un bloqueur de pub, par exemple, sur votre navigateur, comme uBlock Origin. Vous pouvez installer sur votre téléphone un bloqueur de pub aussi. Donc, il va vous permettre de bloquer les pubs et les traceurs sur votre téléphone. Donc, ce sont des petits outils, des façons de faire qui vont vous permettre au moins de réduire tous les jours la collecte de ces données-là. Plutôt que passer par Google qui va tout analyser, qui va revendre mes données, je peux peut-être changer de moteur de recherche aussi, tout simplement. Donc, on l'a vu là, par exemple, il y a DuckDuckGo, qui est un méta-moteur de recherche, en fait, qui va agréer plusieurs moteurs de recherche et qui va me donner les résultats, mais qui va me les donner de façon où il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire que les Google et Bing ne sauront pas que j'ai fait telle recherche et il n'y aura pas de suivi. On a Startpage, par exemple, qui fait la même chose. En France, on a Quant, qui est un moteur de recherche, lui, à part entière. Moteur de recherche français. On a Ecosia. Alors vous retrouverez, on vous donnera les infos de tout ça, ne vous inquiétez pas. Ecosia, qui est un moteur de recherche à vocation un peu écologique, puisqu'ils vont planter aussi des arbres, mais qui ne vous suit pas dans votre navigation. On a PreSearch, qui est sur le même principe, un moteur de recherche aussi décentralisé qui va vous permettre de faire des recherches. Mais la collecte des données, ça peut être aussi par les mails. On sait que si j'utilise Gmail, en fait, Google va se servir aussi dans mes mails en termes de données pour savoir ce que je fais, quoi. Donc, peut-être que je peux réfléchir à passer par un autre fournisseur d'accès, quoi. Donc là, on a par exemple Tutanota, qui a une messagerie chiffrée. On a ProtonMail, qui est aussi une messagerie chiffrée. C'est-à-dire que là, clairement, le service ne peut pas accéder au contenu de mes mails, ne peut pas analyser et ne peut pas revendre et exploiter ces données-là. Plutôt que utiliser WhatsApp ou Messenger, je peux peut-être utiliser Signal, qui est une application qui est recommandée par Edward Snowden. Donc, je pense qu'il a des raisons de savoir que la vie privée est nécessaire. Donc ça, c'est des applications aussi qu'on peut utiliser en messagerie. En réseaux sociaux, il y a aussi des réseaux sociaux autres. Il y a les plus connus, mais on peut avoir Mastodon, par exemple. On a des alternatives à YouTube comme PeerTube, qui existe, où il n'y a pas de suivi. On a des alternatives, là je donne quelques exemples, mais des alternatives à Instagram, par exemple, comme PixelFed, qui est un peu sur le même principe. Est-ce que je suis bien obligé de partager la photo de mon assiette au monde entier? Je ne suis pas convaincu, quoi, parce qu'en plus,
en partageant ces infos-là, j'alimente toujours cette machine de suivi, quoi. Diaspora, qui est un Facebook-like, voilà. Bon, en termes aussi de réduction de la collecte des données, ben, je peux peut-être utiliser un VPN. Attention, le VPN ne va pas forcément m'anonymiser, mais en fait, il va déjà réduire l'impact de la collecte. Je peux, si je veux aller encore plus loin, utiliser un réseau comme Tor, qui est tout à fait légal, hein. Vous avez peut-être entendu parler par la presse pour plein de raisons, mais c'est un réseau qui est tout à fait légal, c'est tout à fait le droit d'utiliser. En termes de stockage de données, ben, au lieu de donner toutes mes infos à Dropbox ou à Google Drive qui vont récupérer toutes ces données, qui vont analyser et qui vont revendre toutes les données d'analyse, je peux passer par des services plus respectueux, par exemple comme Cozy, ici, qui me permet de stocker mes données. En plus, il y a des connecteurs avec des services de banque ou administratifs, donc qui me permet de récupérer mes infos et qui est aussi respectueux de mes données. Donc, il va pas se servir de mes données pour les revendre. Toujours pareil. Donc, en fait, il y a vraiment des alternatives qui existent. Nextcloud, qui est un Google Drive. Là, pareil. Là où je sais que mes données, elles sont stockées, mais elles ne sont pas utilisées et revendues à mon insu. Il y a Zaklis qui permet de retrouver un peu tout ça qui est, voilà, du cloud, du mail. Il y a des gens qui proposent vraiment des services qui sont respectueux des données, quoi. Framasoft, avec son dégooglisons Internet, qui pousse dans ce sens-là en disant il y a vraiment des alternatives. Il faut vraiment parler au public, expliquer que c'est possible, au moins de réduire l'impact. F-Droid, qui est un store d'applications respectueuses des données qui s'installe sur Android et qui permet d'accéder à des applications qui permettent de lire Twitter ou Instagram ou d'aller naviguer sur YouTube sans être suivi. Et après, si on veut aller encore plus loin, on peut changer de système d'exploitation, par exemple sur son ordinateur ou sur son téléphone, pour pas avoir le suivi, par exemple, de Windows ou pas avoir le suivi d'Android. Parce que c'est les systèmes d'exploitation qui nous suivent aussi dans ce qu'on fait. Donc, on a des alternatives, par exemple, comme Ubuntu, les systèmes Linux, par exemple. Et puis, pour les plus forcenés, on a un système d'exploitation qui, par exemple, s'appelle Tails. Et là, qui va vous permettre vraiment de vous protéger. Nous, on a une vision très occidentale, mais en se disant, oui, OK, d'accord, on me suit, mais bon, c'est un peu le compromis. Mais il y a pour beaucoup de gens, en fait, être suivi, être espionné, avoir ses données revendues, c'est quand même très problématique. Donc, il y a quand même des outils comme tels qui existent et qui permettent à des gens, des journalistes, des opposants politiques, de se protéger clairement, quoi. Mais ces outils-là, donc, vous pouvez aussi les utiliser, les essayer, c'est tout à fait faisable. Voilà, donc l'idée, c'était bien de montrer qu'il y a une collecte quand même très importante qui est faite et que malgré tout, on peut quand même essayer de réduire l'impact de ces données-là, quoi. Et que c'est un travail un peu de tous les jours, mais il y a quand même matière à réduire ça. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, juste à côté.